Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en forme, que vous avez passé une bonne journée, vous l'avez compris, on est sur Dokkan Battle et ça sera une vidéo invocation parce que nouveau portail, nouvelle unité, et puis surtout c'est un portail célébration de l'ascension du dragon, donc portail LR avec du taux doublé. Attention, taux doublé c'est un peu traître dans le sens où on va avoir peut-être beaucoup de SSR, mais beaucoup de SSR dont on n'a pas envie d'avoir dans ces multi-invocations, mais en revanche, l'objectif de ce genre de portail, c'est d'aller récupérer un maximum de LR, et aujourd'hui, eh bien il y en a un nouveau qui vient d'arriver qui, en plus d'être beau, apparemment, il est vraiment très très bon. On a le Goku Super Saiyajin ici avec toute la clique derrière qui est d'ailleurs très très beau. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Si on pouvait aller l'obtenir aujourd'hui, ça nous ferait plaisir parce que DB Legends, je l'ai encore en travers la gorge. Donc, si on pouvait drop aujourd'hui, ça serait cool. À côté de ça, je vois sur la bannière, on a le Trunks et le Gohan que je n'ai toujours pas. Si je pouvais les récupérer, franchement, je serais grave content parce que. Bonne unité, que je n'ai toujours pas en plus, qui est belle, voilà, si ça pouvait tomber, ça ferait plaisir. Lui, j'ai déjà un triplon, quadruplon, je sais même plus combien dessus. Le Goku, alors lui, lui, je crois que je ne l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas, lui, vraiment, il date, hein. Mais je sais même pas si je l'ai déjà, ou peut-être que je l'ai obtenu, mais je l'ai déjà vendu chez Baba à l'époque. Et aujourd'hui, dans la box, je sais pas s'il est encore par-ci, par-là. Bon, lui, on s'en fout un peu. Lui, je l'ai toujours pas. Et je le vois partout. Je le vois dans toutes les teams. Donc, j'aimerais bien, si possible, que Piccolo puisse tomber un jour ou l'autre. Trunks, je l'ai beaucoup de fois aussi. Mais allez, vas-y, un petit dernier doublon, ok. Bon, pourquoi pas, même si j'en ai beaucoup. 100%, 100%, non merci. Et le reste, on s'en fout après. Objectif LR aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez obtenu sur le portail. Est-ce que vous avez invoqué avec les tickets ou est-ce que vous avez invoqué avec vos pierres du dragon. N'oubliez pas de faire attention parce que le 18 mars, il y aura le Saiyan Day, donc on aura une unité exclusive. En quoi c'est... Ouais, c'est un mois. Bon, ça va, en un mois, t'as le temps de refaire un stock de DS, mais quand même, voilà, faites attention avec vos DS, il y aura peut-être un autre portail, un autre festival Dokkan qui va arriver entre-temps, qui pourrait être de bonne qualité, donc... Voilà, allez-y mollo sur ce genre de portail, c'est dangereux. Sur ce, écoutez, on va y aller. Désolé si je parle un petit peu du nez, je suis un peu malade, donc voilà, m'en voulez pas. On y va, si je parle un peu comme ça, là, c'est un peu bizarre, un peu chelou, mais malheureusement, je n'y peux rien. Première multi-invocation, donc c'est la multi-ticket, donc c'est une multi à 5. Je n'attends rien du tout, mais sait-on jamais, peut-être un miracle, un espoir, un quelque chose. Va savoir, eh bien, ça sera Vegeta en bas à gauche, C17 à droite. Et c'est une fusion, et donc c'est LR. Ok, alors là on discute. Première multi, et ouais, automatiquement LR, clac, fusion CLR garantie hein, sur ce genre de portail. Donc allons-y, voyons voir. Imagine, je drop le Goku direct comme ça. Merci, au revoir, j'ai même pas besoin de toucher au portail. Ça serait extraordinaire. J'y crois pas du tout. Je pense qu'on aura un petit LR à l'ancienne, mais imaginons, sait-on jamais. Donc il y a combien 5 personnages. Là c'était la deuxième. La troisième c'est C18. Quatrième unité, Demigra. Ok, on va faire un pierre-feuille-ciseau les amis, hein, savoir s'il y a les 10 points ou pas. Et la dernière unité, c'est le Switch. Allez, le Switch. Vas-y, mon petit. Ah, oh, Goku 8. Goku 8. Alors, je sais pas si je l'ai, lui. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Je crois pas que je l'ai. C'est sur le compte Jap que je l'ai. Mais sur la globale, je crois pas l'avoir. Attends. Laisse-moi vérifier, juste. Non, je l'ai pas, lui. Ah, je sais pas ce qu'il vaut, en vrai. Hein. Franchement, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Ouais, grande chance d'étourdir l'ennemi, je regarde vite fait. Ouais, chance d'esquive, chance même d'attaque spéciale. Ouais, il a pas l'air mauvais en vrai, mais par contre, il a pas beaucoup de catégories. Ouais. Mmh. Eh ben écoute, nouvelle unité dans la box. Nouvelle unité dans la box, je ne l'avais pas, c'est ma première reversion. Bah, je sais pas trop ce qu'il vaut en vrai, vous me direz dans les commentaires. Je sais plus à quel moment il était sorti, je crois qu'il est pas si vieux que ça. À voir ce que ça donne, en tout cas, bon, c'est pas ce que je suis venu chercher, mais en soi, vu que je ne l'avais pas, c'est un nouveau LR dans la box. Ah ben je suis preneur, hein, tout de suite je suis preneur. Allez, sur ce, on continue. Les tickets auront été plus ou moins rentables, parce que bon, d'ailleurs pour les tickets, j'ai oublié de préciser, hein, c'est des tickets payants qui coûtent 5€ pour faire une petite multi comme ça. Mais en soi, 5€, on a quand même un LR, ça reste rentable. Maintenant, objectif, le Goku qui se met comme ça là. Allez mon petit Goku, il faudrait que tu tombes. Alors s'il te plaît, première multi-invocation. Maintenant mon pote. Allez, bon, on y va. Juste, déjà une animation, ça serait cool. Kulilin, C18, Kulilin, C18, normalement, il me semble, c'est quelque chose de pas trop dégueu, ça. Kulilin et C18, alors SSJ1, SSJ2, et SSJ2 uniquement, et normalement, on devrait avoir du lourd, normalement. Ça va être détecteur, je crois, je pense que ça doit être détecteur, hein, Kulilin C18, sur ce genre de portail. À chaque fois, en fait, j'ai vraiment du mal sur les animations, parce que, entre les festivals d'Okan,
et les portails LR comme ça, les animations sont pas totalement identiques. Genre la fusion, sur un festival de Cannes, elle te garantit pas le LR. Alors que sur un portail comme ça LR, t'as une fusion, c'est LR garanti. Donc c'est pour ça, des fois, j'ai un peu de mal. Je sais pas si le C18 avec Kulilin, c'est un peu le même principe ou pas, j'en ai aucune idée. Alors voyons voir Kamassinine. En tout cas, normalement, on aura une bonne unité, si ce n'est... Enfin, détecteur, je pense. Maintenant, à voir si ça sera un LR ou pas. Ça, j'imagine que c'est moi et ma chance. Et en général, on le sait, c'est pas foufou et il est détecteur. C'est le Goku SSJ de Tech. Il est détecteur, malheureusement, pour moi. Et donc, je pense que j'ai eu Krillin C18 pour lui. Et elle est détecteur aussi, la C18. Donc, je me suis tapé les deux SSR détecteurs sur les 4 dispo, je crois. Malheureusement, pas de LR ici. Bruh. Petite déception, ouais. Petite déception ici. On aurait voulu aller chercher du lourd plus rapidement, mais le jeu en a décidé autrement. Bon, c'était ma première multi-invocation. On va pas en rester là. Je tape une deuxième, une troisième, et après je m'arrête. Même si j'ai rien, c'est pas grave, je m'arrête. Je forcerai pas plus. Je sais qu'en ce moment, j'ai vraiment pas trop de chance sur les gachas. Donc, tranquille. Que ce soit Dokkan, Legends, même Genshin Impact. Ah, en ce moment, ça va pas du tout la chance. Donc, tranquille. Allez, deuxième multi-invocation. Comme d'habitude, vous le savez, John Kenpong ou Izuku Midoriya. Voyons voir. Nous avons Goten et nous avons Trunks. Donc, nous avons une animation. Mais, animation qui garantit pas LR, encore une fois. Je préférerais une fusion avec Vegeta. Ouais, clairement, ça serait beaucoup plus stylé. Ou un donne-moi ça qui sort de nulle part. Et nous avons... Ah, peut-être 3 SSR. C'est Caulif là que nous avons déjà 100%. C18 derrière. Ok. Allez, on enchaîne. S'il vous plaît, du LR. Allez, pourquoi les tickets auront été meilleurs que les pierres du dragon, on sait pas, mais s'il te plaît, il faut que ce soit meilleur ici. Ah, je crois que j'ai pas beaucoup d'unités de lui. Enfin, beaucoup d'exemplaires, je voulais dire, mais je crois que j'en ai pas beaucoup du Piccolo, enfin, Bucolo, du coup. Je crois que j'en ai très peu. Ouais, en fait, on va se taper 3 SSR avec le Goten et le Trunks. Aïe. Ouais, c'est 3 SSR, à moins d'un miracle, et que le 3ème SSR, ce soit un LR. Et non, c'est le support, ouais, je vois c'est lequel, lui, il se met en SSJ, ouais, c'est le support. 3 SSR, la multi-invocation pour cette animation. Ah, la multi-déception, là. Ben ouais, ils sont 100%, eux, par contre, lui, franchement, je dois avoir peut-être un exemplaire à tout casser, voire même pas du tout. Bon, en fait, c'est la troisième fois que je l'obtiens, donc j'aurai le doublon en bas à droite et en haut à gauche. Bon, ben j'ai plus qu'à le monter, j'avais complètement zappé que je l'avais déjà drop. Ok, bah c'est la troisième fois que je le drop. En plus, il est pas mauvais, lui, il me semble. Il me semble qu'il était quand même assez joué, non? En vrai, il peut être intéressant. À voir les events sur lesquels tu joues, mais pourquoi pas. Allez, bref. Dernière multi-invocation. Je n'invoquerai pas plus sur ce portail. Déjà, il est en train de me donner raison dans le sens où c'est un portail dangereux. Certes, on a des SSR, mais pas de LR ici. Troisième multi-invocation et pour le moment sans LR, à part la première, mais c'était des tickets. Et pas de Goku pour l'instant, pas de Trunks, pas de Gohan derrière non plus. Donc s'il vous plaît, pour la dernière, allez, je vous en supplie, donnez-moi ne serait-ce que un LR. Je n'en demande pas deux ni trois, juste un seul. Allez, s'il vous plaît. Oh Vegeta. Oh toi, grand Vegeta. Oh arc-en-ciel. Oh Super Saiyajin. Non, pourquoi, Vegeta? Non. Tu pouvais garantir le LR et ouais, SSJ3, mais non, non. Oh Vegeta, le troll. Oh, c'est pas vrai, non, pourquoi? Il y avait de l'espoir, il y avait tout, Soupa, on se met en Super Saiyan direct, arc-en-ciel, 4 personnes sur le terrain, Vegeta, en général, c'est fusion, on va dire, à 80% du temps. Eh bah non, et du coup, on a eu la transfo SSJ3, donc on va se taper un vieux SSR tout pourri, sorti de nulle part, là. Voyons voir, non... Oh là là, j'ai peur. C'est le dernier. Oh, aïe. 150 DS pour ça. Oh, sachant que je mets pas un rond dans le jeu, à part pour le petit pack là de 5 euros et les capsules, mais... Oh, ça fait mal. Oh, j'ai mal. Oh. Purée de pommes de terre pour la monétisation YouTube, mais... Oh, sérieux, c'est pas honnête, pour la peine je fais une single, mais juste une single comme ça, avec le fin fond d'espoir et du désespoir en même temps. Ah, Vegeta, il devait fusionner. C'est 17. Zeno, single, Zeno, alors que jusqu'ici on avait que de la merde. Zeno, let's go, oui, putain oui, magnifique. Et il tombera directement. Ta-da-da-da. Oh la single.
Oh la single en vedette célébration. Let's go. Alors là par contre, alors ça c'est exceptionnel. Ça c'est un move. Je crois que je l'ai rarement fait dans l'histoire du move, mais oh je suis trop content. J'allais dire je suis incroyable, rien à voir, mais oh je suis trop content. 150 DS, j'ai invoqué sur le portail 150 DS, pas un seul LR, que de la merde et tout. Et là je me dis single pour clôturer la vidéo. Zeno, c'est 17, c'est 18 Zeno. Combien de temps que j'ai pas eu Zeno, je sais pas, mais bref. Je suis trop heureux. Incroyable. Il y a une justice dans ce monde. Il y a une justice. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Invoquez. Et allez chercher la chance. Allez chercher le Zeno aussi. Oh putain, incroyable. Fouh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais c'est, on passe du Lilian qui est en train de chouiner parce qu'il a rien du tout depuis des années là. Et d'un coup, single Zeno quoi. Incroyable. Eh ben écoute. Let's go! Allez, c'est dans la box. Merci, au revoir, Monsieur Goku. T'inquiète pas, on va vite te monter, on va vite te tester. Mais ça fait plaisir. Ouh. Bon, bah si on fait le bilan, nous avons eu 2 LR en 4 multi-invocations, on peut le dire. Hein. 2 LR en 4 multi, techniquement, parce qu'il y avait la multi à 5 plus la single, ça fait 6, on va arrondir à une multi. Allez, on va dire 4 multi-invocations, 2 LR, dont le vedette et le hit Goku SSJ God. Ben voilà, heureusement qu'il y a eu ça à la fin parce que sinon c'était dramatique. Et au final, ben on s'en sort bien. On a l'unité vedette en 3 multi, donc 4 multi. En vrai, ça va. Et puis en plus, il est bon, il est beau. Donc j'ai hâte de le tester, hâte de le monter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire eh bien ce que vous en pensez de ce petit LR. Et puis surtout, si vous l'avez obtenu, en combien de DS. Cette fois-ci, c'est moi qui va pouvoir me vanter dans les commentaires en disant ouais, j'ai fait une single, j'ai eu Zeno. Directement, première single, premier Zeno. Et il est tombé. Là, c'est moi, cette fois-ci, je vais pouvoir le marquer. T'inquiète même pas que je vais pas me gêner. Je vais le marquer immédiatement dans les commentaires. Il va y avoir un commentaire épinglé, ça sera marqué moi. Oh là là. Non, non, quoique, non, je vais spoil si je fais ça. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. Par contre, il faut que je trouve une idée de titre, un truc là, bref, spectaculaire, je sais pas comment faire, mais il faut que je me débrouille. Bref, en tout cas les gars, on va clôturer cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé, si c'est le cas, on bombarde le pouce bleu, on s'abonne si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter, me dire si vous kiffez l'unité, si vous l'avez obtenu, si vous avez invoqué, si vous gardez vos DS, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, dans la description de la vidéo, vous avez tous mes réseaux sociaux, ma chaîne Twitch, on est en live tous les jours, au moment où je sors la vidéo, ce soir on sera en live sur Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter, donc n'hésitez pas à passer. Il y a mon TikTok, je pense que la single que nous avons fait aujourd'hui, elle terminera sur TikTok très rapidement, ça c'est une certitude. N'hésitez pas à venir, vous avez mon Instagram, vous avez mon Twitter et d'autres réseaux sociaux, donc voilà, n'hésitez pas à checker ce qui vous intéresse. Moi je vous laisse par ici, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, bon courage dans votre farm, bon courage dans vos invocations, et là clairement bah, je vous envoie le peu d'énergie qui me reste dans mon doigt de la justice, que la chance soit avec vous, ciao les gens.